Ouais, on une cabane dans la forêt. De survie, là, on doit savoir faire ça. Un petit palais en bois. Bah attends, on a une bonne compétence de survie, je suis pas ouvert. Hein, ouais, ça prend du temps de construire. On peut en trouver un. Bon bah alors on cherche. Quelle compétence pour chercher un abri? Survie. Bah alors survie, allez, je cherche un abri. Ok. Comment ça se fait que j'ai... Non, Croril, sous la feuille, on tiendra pas tous. Même si elle est grande. Warhammer, non. Super sort de niveau 0, c'était pas. Ouais. Non, Croril, près de la rivière, comme une tempête, c'est pas une idée. Donc, vous voyez que Urd être un peu exaspéré par la pluie, commence à être un peu exaspéré par les elfes qui commencent effectivement à gueuler parce qu'ils sont trempés. Et vous voyez que... C'est mal élevé. Ouais. Mais bon, il... non, mais je réfléchis très rapidement. Oui, tu vas me jeter un D20, s'il te plaît. Louis. Oui. Ah oui. Bon. Pour comment une idée de Ben. Je sais pas parce que j'ai envie. Parce que t'as rien dit. C'est ça. Voilà. Ce qu'il fallait pas faire. Deux. Bah, c'est bien. Alors, ce qu'il fallait faire. Il fallait faire en dessous. Deux. La quatrième. Deux. Alors attendez parce que. Est-ce qu'elle est... Alors que Urd est en train de chercher un abri, hein, comme vous tous, hein, on s'est attaqué par les orques. vous entendez effectivement devant vous, à peut-être une quinzaine de mètres, l'ouverture sur une clairière, en fait, vous entendez pas des hurlements, mais des grognements de loups. Oh, c'est pas vrai. Des loups ou deux wargs? Deux wargs. Bon bah c'est pas le bon endroit pour rester campé là. Et vous arrivez, vous débouchez sur une carrière et en face de vous vous débouchez en fait un orc avec trois wargs. Il vous voit. Alors, c'est marqué, il y a du combat un peu, c'est marqué action 3 sur 3, investigation 3 sur 3, donc il y a aussi de l'action. Qui ça? L'orc? Non, c'est pas un New York, c'est un orc. Non, il a pas peur. Il a une grande cape, ouais. Alors, je vais vous demander... Mort, ouais. Oh, Timor, il va vite les. Non mais il faut pas qu'il parte au camp, il faut vite le tuer. Bah en fait, vous voyez que les. C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez donc l'orque qui envoie les wargs sur vous, les lâche. Les wargs, les babines retroussées, se foncent dans votre direction. Par contre, alors je vais vous demander juste un temps d'adaptation. Faut que je trouve un... Une map. Je crois que j'ai changé de sort, je l'ai pris ou pas? C'est la carte. On va prendre celle-ci. Bon, ça fait pas très... On va prendre celle-là. Chemin. Forêt. Non. J'ai la même en 1 et en 2. Putain, je suis vraiment... Et on est sous la tempête. Ouais, et vous êtes sous la tempête. Ah bah, j'ai toutes mes cartes qui sont faussées. Dès que j'ouvre dessus, c'est la fête à la console qui s'ouvre. Je sais pas ce qui se passe. Sûrement dû rajouter encore un mot. Non, j'ai. Alors je vais prendre cette carte là, c'est pas grave, elle est assez grosse. Je
je vais la partager. Ça fait vraiment petite forêt, mais faut. Je vous la partage. C'est vraiment très moche, mais j'ai que ça comme carte de valide parce que le reste. Le reste est très moche. Et là, ils sont de l'autre côté de la clairière. Ouais. Parfait. On est suivi par un A depuis le début. Hein. tu sais lire, toi. T'as raison. Alors. Influencer limite. Ouais. Alors attendez. Je vais faire des bêtises. Ah bah, je suis la première. Je vais faire des bêtises. Si je fais des bêtises. Ah tout de suite. Hein. Est-ce que ça fait un truc bizarre? Non, c'est bon. Ah, hop, c'est revenu. Alors, je vous laisse placer. Alors, vous voyez la situation, ils sont, on va dire qu'ils sont ici. Les trois wargs sont lâchés juste devant lui. La battle map, c'est vraiment pour dire, voilà, c'est un truc. Hein. Après vous, alors Aram logiquement est avec Tilin devant. Donc non, avec Urd. Urd était devant. Donc je mets Urd devant. Aram est devant. Après vous positionnez comme vous le souhaitez. Je mets pas les autres hein, parce qu'ils combattront pas, mais ils sont restés derrière. Vous voyez donc Antolus qui les protège, on va dire, avec un bout de bois qu'il trouve par terre. Mais il a pas une hache? Il va pas donner une hache? Je sais pas. Non, bah non, il m'a dit non. J'ai que des bonnes haches, attends. Ah, d'accord. Il a 5 haches magiques, il va pas s'en séparer non plus. c'est ça. Eh. C'est jamais. Non mais. Est-ce que vous ouvrez quelque chose là ou pas? De la pluie qui tombe avec de l'orage ou. Alors moi je dois avoir un truc bizarre parce que. Je sais pas quand. Ah je l'ai ouvert deux fois. Peut-être même un peu plus. Oh, j'ai fait une super connerie, j'ai. Ah oui, non, mais c'est vraiment une super connerie. Ok, c'est bon. Parfait. Je vais juste faire mon initiative. C'est pas. Donc les derrière les. Les trois wargs, ouais. Mmh. Il est devant. Je crois que tu peux faire un strike. Et je donne un coup en face de moi. Alors du coup, t'as plus de. T'as plus 2, il me semble, j'ai l'attaque et moins 2 en classe d'armure parce que tu charges. Donc tu t'ouvres à des risques de combat. Ah bah tiens, je peux le mettre, charge. Oui, tu peux, ouais. Donc tu le laisses pendant tout ton round parce que après, il faudra que tu l'enlèves par contre. Du coup, eh bien vas-y, je te laisse le choix de ton arme et de. Ouais, c'est une expérience. Lui. Et je.
Vous allez tous le faire, même toi, lui, vous allez tous le faire. Oui, bah non, 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 les jets d'intuition, de psychologie. Alors, quand il m'a fait un beau vin, 8, 9, 3. Alors, Tidin et Coril. Tidin et Coril. Murmure des plus sages que moi. Bah oui. Pas intelligent, mais sage. Toi, il fait très bien le beau vin aussi. Oui, mais sagement. En toute sagesse. Il avance doucement. Et tu peux attaquer. Tu peux faire une mousse. Attaque. Il fallait deviner que si l'orc avait 6 wards, il aurait pu se monter un traîneau. Faire la boule de feu. Je me déplace juste là, ouais, comme ça. Et puis donc, bah, je centre de telle manière qu'ils sont tous dans la boule de feu, enfin tous, orc et worg. Humain et tigre, peu importe. C'est ça. Voilà. On fera le tri après. Tout ce qui n'est pas moi. Alors, fireball, voilà. Et alors, quoi ça? Ça c'est l'attaque. Donc je fais une attaque. Sur une boule de feu. Oui, je sais pas. C'est la sauvegarde que je voulais faire et j'ai cliqué ce qu'il fallait. Beaucoup d'enfants. Bon, Orc noir. Orc 14. Il y a deux que t'as pas cité. Ouais. Ah, parce qu'il a déjà fait par rapport à l'attaque le fait que j'ai pas touché les autres.
Et donc ils ont fait un succès les deux ou refait les quatre? Alors attends, je vais faire ça. Voilà. Et on refait tout. Refait tout. Oui, c'est plus simple. Ils avaient réussi. Ouais. Donc succès, faillure, temps, succès. Donc il y a juste l'orque noir qui a pas réussi. Et donc du coup lui il se prend que des demi-dégâts. Ouais, de toute façon je lance et puis on voit. Mais lui il se prend full, c'est les autres qui prennent des. Bah oui, pardon. Alf. Donc ils se prennent tous 13 sauf un qui se prend 27. Voilà, c'est ça. Et je fous la forêt en feu. T'envoies une baffe. Alors, t'es dans une clairière donc ça va si ça prend feu. Bah, c'est pour ça que j'ai pas fait la dernière fois parce qu'on était. Esta rame de tirer avec son arc sur un des wargs. Ouais, il va tirer avec. Il touche l'homme. Il touche le wargs. C'est alors que de jouer. Et vous voyez que l'orque commence à courir. Alors, je suis très con parce que je l'ai mis de ce côté-là alors que de la carte. Et bah il fuit de l'autre côté. Et bah il fuit de l'autre côté, c'est pas grave. Comme ça il passe devant nous. C'est ça. Coucou. Alors, il passe par là. Et c'est peut-être. Alors, moi je vais faire. Tiens, Kevin. Il a le feu au cul pourtant. Il est où? Attends, je cherche pour ça. Je vais faire. Vu qu'il pleut à de la terre et tout, je vais faire ramollissement de la terre sous ses pieds. Je vais faire. Ça va être mort. Ça va faire tout quoi, ce soir. Ramollissement de la terre. Tous ses pieds. C'est tout, non, c'est tout le long du sens. Effet, c'est 10 feet square par level. C'est quoi comme, comme sort? C'est. Ramollissement de la terre et de la pierre. Ses pieds. C'est celui que je faisais sur. 70. Donc. On est pire. Ça fait 30 cm de profondeur, ça va lui réduire sa vitesse. Toi il peut pas bouger. 2, 4, 6. Toi il fait demi. Ça fait c'est 25, ça fait 5 x 3, 15. Ça fait 15 plus 25 ça fait 40 si je dis pas de conneries. Donc ça fait 40 feet. Ton carry fait 40 feet. Ce qui fait à peu près. Donc c'est. Voilà, c'est largement suffisant, 40 feet. Hein. Sachant qu'une case ça fait 5 feet. Voilà. Donc ça fait 8 cases. Voilà, ça c'est la et portée, que... donc ça c'est bon. Voilà. Et après c'est 10 feet par level, donc ça fait 70 feet. Donc voilà, ça, je pense que. Ça fait 9 cases. Voilà, donc tu viens de faire en fait un effondrement de terrain sur à peu près 20 mètres sur 20. Un carré de 20 mètres sur 20. La moitié de la forêt dedans. C'est ça, d'un coup s'écroule. Mais non, c'est centré sur l'or, on est dans une clairière. Ouais, oui, complètement. Oui, alors je fais un carré, c'est ça? Tu fais un... Attends, je vais le faire. Je vais faire un carré, et ton carré il fait 70 feet. 70 feet, ça fait combien j'ai dit en. Un carré, c'est quoi? C'est 5. C'est 5. 5, ça fait 12. 12 carrés. Non, ça fait 14. Ça fait 60, ouais. 14 carrés. C'est bien une douce, ça suffit. Et je peux le bouger ou... Non, moi je peux le bouger, mais si tu fais ça, il y a Urd qui est dedans. Hein. Bah oui, mais faut pas le mettre là. Bah, tu l'es pas centré sur moi, je l'ai centré sur l'orque. Ouais. Bah là je l'ai centré sur l'orque. Hein. Ah. Et encore, je suis à 12. Hein. Ouais, Mais non, il n'est pas centré sur l'angle. Descends plus. Oui, non, mais attends. Je suis en train de refaire. Voilà, c'est bon. Et si je le centre, voilà. Et voilà. Mais descends-le, je suis pas bête quand même. Mais c'est bon, je suis pas dedans.
Non mais est-ce que t'as le choix de... Oui, t'as le choix de faire du bruit en fait, c'est ça. J'arrive pas à le déplacer. Il est dans le... Sous la terre, mine de vie. Trou épaisse. Donc en fait, tu le... Ouais, le personnage affecte une zone de 3 mètres de côté sur un verre de 3 mètres. 1m20, sur la résistance du sol, ce sort reste sans effet sur l'état magique, enchanté ou ouvragé, de même que sur les créatures de terre ou de pied. Donc je dois faire un jet de réflexe, parce qu'en fait, voilà ce qui se... Alors... Tu le remets pas, le carré ? Non, mais c'est bon. Sinon, il est incapable de se déplacer, de vous combattre ou de lancer des sorts. Ouais, pendant un tour des rounds. Sinon, si je réussis mon jet de réflexe, je peux me déplacer, mais à la moitié de ma vitesse de déplacement. Je peux pas courir, mais je ne peux pas charger. Donc, je vais faire un jet de réflexe. Tu transformes mon élémentaire de dé. Sauf si... j'ai pas le DD. Ça, c'est embêtant. Plus.